Certains bureaux de poste ou annexes étaient peut-être fermés aujourd'hui, en cause une grève de ceux qui travaillent dans les bureaux. Maria est guichetière depuis plus de 20 ans. Toujours au premier échelon, elle a vu son travail évoluer au fur et à mesure des années, sans véritable contrepartie. On a une charge de travail énorme, des connaissances à avoir surtout sur les produits qu'on vend déjà au niveau de la poste qui se sont multipliés, au niveau des colis, de l'affranchissement, des téléphones et puis de la banque. Parce que la banque aussi, on s'est agrandi. Maintenant, on fait les crédits, on fait les prêts. C'est à l'appel de l'intersyndicale que les guichetiers commerciaux ou encadrants de proximité se sont mis en grève. Ils demandent lors de la réorganisation de la poste qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois afin de ne pas détériorer et les conditions de travail des employés et les conditions de vie des usagers. Une grève maintenue malgré une réunion mercredi plutôt positive. On a senti une volonté au moins théorique, une volonté de ne pas brutaliser les choses, de ne pas brusquer. Et un certain nombre de portes se sont ouvertes qui jusqu'à maintenant étaient totalement fermées. Il faut que ça se concrétise. Cette grève était avant tout un avertissement vers la direction. Les grévistes espéraient voir une évolution de leurs conditions de travail ainsi que davantage d'emplois.